Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012 sur Minecraft en 1.12 et je suis en pleine balade et regardez les découvertes que je peux faire. Et là ici il y a quand même un arbre mutant qui est quand même assez énorme. Alors, pourquoi est-ce que je suis là et que je fais une petite vidéo? Bah déjà c'est parce que je suis en balade. Et pourquoi est-ce que je fais des balades sans arrêt comme ça? C'est pour alimenter mon blog. Sur mon blog, j'ai commencé une nouvelle catégorie, la catégorie de mon livre virtuel sur Minecraft. Oh purée! Ok, on a compris la map. On a compris que t'étais magnifique et que t'as compris que t'étais en vidéo. Alors tu te dis, attends, on va faire un petit biome glace. Magnifique! Ah, voilà! Bon, je fais des captures d'écran sans arrêt, je fais pas mal de vidéos dans lesquelles je me promène et j'ai décidé de regrouper toutes mes captures d'écran comme ça sur mon blog dans une catégorie mon livre virtuel. Oh, regarde-moi ça. Non mais t'y crois à ça ou pas? Non mais, deux biomes glace. L'un à côté de l'autre. Mais c'est dingue ça. Oupinaise. Oh, Oupinaise, c'est beau en plus. Waouh. Allez, disons les mots comme ils sortent. D'un coup, laissons-leur la liberté des mots. La liberté des émotions quand on est sur Minecraft. Sérieusement. Donc voilà, toutes mes balades que je fais, toutes mes vidéos qui semblent complètement anodines, bêtes. Pendant que je fais ça, je capture d'écran à mort et... ça me sert à alimenter mon blog. Au début, sans réelle vocation, juste mettre des belles images. Mais maintenant, j'ai tout regroupé ça dans un même thème, mon livre virtuel sur Minecraft. Voilà. Parce que je trouve que Minecraft est un jeu magnifique et on ne me l'enlèvera pas de la tête. Ni de l'idée, ni d'ailleurs. Minecraft est vraiment un jeu merveilleux qui permet de s'évader, mais d'une façon assez impressionnante. Et on découvre des choses sans arrêt. Et là, je suis juste en train de vous parler de ça en vitesse et de mitre. Oh la vache, ça continue tout là-bas. Et de mitrailler à mort pour garder des souvenirs de cet endroit superbe qui vont être sur mon blog. Voilà. Donc vous voyez, quand on fait des balades, c'est pas uniquement se balader pour se balader. C'est se balader pour faire quelque chose à la fin. C'est assez impressionnant. Et regarde-moi ça. Bah, c'est étrange ça, Kobebe. Ben non. Mais oui, c'est étrange. Regarde-moi ça, comment ça... Oh la vache! Première fois que je vois ça, oh, je suis contente de découvrir de nouvelles choses. Ouais, je sais, vous allez dire Orphéa quand même. Mais ouais, Orphéa quand même, quoi. Mais là, c'est limite de la sculpture artistique. On dirait de l'art moderne. Oh, regarde-moi ça. T'as de la neige et puis une chute d'eau, comme si la neige était en train de fondre. C'est classe ça aussi. Oh ben moi j'aime bien. Toc. Ce sera sur mon blog. Donc voilà, dans la description de ma vidéo, je vous mettrai le lien vers mon blog. Blog qui est accessible avec ma page d'accueil aussi, hein, depuis très longtemps, hein, depuis que mon blog existe. Et je suis vraiment ravie de partager ces images magnifiques qu'on peut entrevoir sur Minecraft.
avec vous sur un blog et j'ai des gens du monde entier qui viennent me voir, les États-Unis bien évidemment, la France, pas en premier, les premiers c'est les Américains souvent. Il y a aussi des Russes, il y a des Slovènes, des Polonais, beaucoup de Polonais en ce moment, Indonésie, Inde, Pérou, Brésil et tout ça. Et moi, ça me fait drôle tous les jours quand je vois ça. Je me dis que mon blog est vu dans le monde entier et ça me fait hyper plaisir. Voilà. Regardez là, la belle image qu'on a. C'est quand même étrange et étonnant. Waouh, ouais, j'aime bien. Donc voilà, si vous voulez voir mon livre virtuel, ça se trouve sur mon blog. Et je vous invite cordialement à aller y faire un petit tour pour voir toutes les captures d'écran que je fais. J'essaie de mettre des articles tous les jours, donc il y a quand même pas mal de choses à voir, même si pour l'instant j'en suis qu'au début. Voilà! Bon, eh bien, sur ce, on a trouvé quand même quelque chose de magnifique. Et là, on continue dans le magnifique. En fait, là, je suis sur la map que j'ai créée avec ma fille de 3 ans, presque 4. Et je m'avance toute seule dans la map un petit peu pour faire des captures d'écran parce que j'avais vraiment envie. Tiens, c'est quoi ça là-bas? Certainement un lac de lave. Mais bon, on va aller voir de nous-mêmes avec nos yeux. Et tu m'as fait peur, toi. C'est aussi que je croyais que j'étais vraiment au sol. Ben non, il n'y a rien. Comment que ça se fait que c'est éclairé alors qu'il n'y a pas de lumière? Ah si, pardon. Ok. T'as vu le bloc de fer? Qu'en survie, jamais tu l'auras. Ah si, tu vas chercher un seau d'eau, puis tu fais de l'obsidienne avec la lave. L'obsidienne, ouais, enfin, voilà. Hey! Mais cela fait un nœud là-dedans, c'est pas possible, tu vois pas tous les monstres qu'on a croisés? Eh oh, oh le petit mouton qui est trop mignon. C'est magnifique quand même les Undermen. Oh, hier il y en a un qui m'a fait très peur. Je suis en créatif sur le serveur de notre team. Et un membre de notre team m'avait demandé des blocs. Donc du coup j'ai été lui donner. Donc je vais dans sa maison. Puisque c'est le principe, hein. Nous les admins, on est en créatif, donc on aide tout le monde. Et on leur met ce qu'ils demandent dans leur maison du point de spawn. Et j'étais gentiment en train de lui mettre les blocs et qu'est-ce qu'apparaît devant moi? Un Underman. Et en plus, il me traverse plusieurs fois. J'ai eu un petit peu méga peur. Eh. Waouh. Je sais pas. Attends, on va y aller, mais je fais une petite capture d'écran comme principe oblige. Oh! Bah non, en fait, il n'y a rien. Personnage est descendu d'un coup, il m'a fait peur. Oh, Féo, quand même. Bon, allez, on va s'arrêter là. Puis moi, je vais aller faire des articles sur mon blog. Et puis, bah, je vous laisse aller découvrir ça si vous avez envie. Et apparaître dans la liste des pays qui viennent voir si vous êtes d'un pays étranger. Ou alors faire augmenter le nombre de visiteurs français sur mon blog. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine pour la suite. À plus tout le monde.